Mais du coup, c'est quoi exactement cette histoire de TC? J'ai pas vraiment compris. Tu fais quoi? C'est une sorte de prépa intégrée, en fait. D'accord. Tu veux une glace? Oui, tu veux bien, c'est une bonne idée. Tu me prends vanille, s'il te plaît? Merci. Bonjour, mademoiselle. Charmante. T'as pas un 06? Allez, qu'est-ce que tu fais, là? Juste ton 06. J'attends mon copain, ok? Mais c'est juste ton 06, ton copain, c'est pas grave. Non, t'auras pas mon numéro maintenant, lâche-moi, ok? Salope. Connard. Ce spécimen mâle ne t'intéresse pas? Oh, putain. Non. Déjà prise? Oui, j'ai un rancard. Tu parles de cet homme là-bas? Oui, c'est mon copain. Oh bah si c'est que ça, tu sais, je peux le faire tomber amoureux de quelqu'un d'autre. T'es cupidon, toi, c'est ça? Tu vois le clochard là-bas? Oui, je vois le clochard. Michel! Mais ils seront non, tellement non, t'annules ça, t'annules ça, là, tout de suite, tu fais chier, là. Oh bah, de toute façon, on peut plus le faire changer d'avis. Mais... Putain, mais tu m'as pourri mon coup, connard! Écoute, pour me faire mais pardonner... Mais t'es vraiment enfoiré! Je te propose un marché. Mais j'en veux pas de ton marché! Je peux te faire choisir l'homme que tu veux. Non, j'en veux pas, ouais, dégage! Putain, tu m'as pourri mon coup! Celui que je veux. Ouais, bah écoute, regarde, il y a pas mal de beaux gosses, hein. Un beau brun, bien musclé, en athlétique, avec des moustaches, allez. Ah, tiens, les cheveux bouclés. Écoute, le mieux c'est d'aller les voir en vrai. Du coup, t'as quoi à me proposer dans le coin? Eh bien, si tu veux, tu as Thomas, jeune cadre, dynamique, bonne situation financière. Bon, par contre, il a un tempérament complètement macho. Ah, laisse tomber, laisse tomber. Ou sinon, tu as Caro, une femme forte, pleine de vie, qui aime se surpasser. Non, non, je suis plutôt homme. Oh, bah si tu te prives de 50% de la population, hein, c'est toi qui vois. Ouais, on va rester dans le classique, ok? Mais, t'as jamais voulu te servir de tes pouvoirs, personnellement? Ah, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Non, tu vas pas me la faire, la réplique à la Spider-Man, quand même. Ah bah attends, il me doit bien ça. Attends, tu crois qu'il s'est tapé comment, la fille la plus bonne du lycée? Avec ses binocles et ses boutons. Ouais, ok. Ou sinon, là-bas, tu as Jérôme. Il est jeune, il est brillant, il est bien foutu. Oui, je suis d'accord, il est bien foutu. Oh, par contre, il a un penchant secret pour les chèvres. Ça te convient? Non, pas vraiment. Non, bon. Pas de mec chelou, c'est sûr, mais... Je sais pas, beau, ok? Drôle, intelligent, sensible. Marrant, je veux un mec marrant, moi. Ah, attends. Je te l'ai trouvé, ce sera celui-là. Non, ça c'est le relou de tout à l'heure, j'en veux pas. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.